Yeah, salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode 9 de Skyrim. Il est 13h44, on est toujours le 6 juillet. Et je vais dans les divers, puisque je... Ah voilà, c'est ça que je voulais mettre en favori. Parce que je commence à déprimer en fait depuis tout à l'heure. Enfin, je déprime, j'y vois rien. Bon, et là on part bah, direction le petit l'auberge derrière. Donc on va faire un petit peu de marche quand même. Oui, je vais vous laisser avec moi faire la marche. On va visiter le pays quand même. Allez, allez, débloque, 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 débloque. Ah ouais, quand même, l'hydromellerie. Bonjour. Apprendre des choses parmi les gardes. Ah, pas d'ours, je sais pas ce que c'est, pas d'ours. Une grotte, oh, ça va être là-haut. Ah, il y a un... Donc là, j'ai mis guerrier ou mage, je ne sais plus. Oh, terrible. Un peu de loup. Bon, on va passer comme ça en mode arraché. Ça passe. Bah, hé, bonne surprise, hein? Oh, de la bière. Une note à Rodolphe. Rodulphe. Rodolphe. Non. Non. Ouais, non, je vais juste regarder ce que t'as dans le coffre. Ah, c'est un coffre de novice. Voilà. Oh la vache, oh oui! Arc de chasse, non. L'armure cloutée, ouais. RPI cher. Non. Non. Oui. Et non. Bonjour madame. Oh, tu as méchamment plus cher quand même. Ah, je prends le stade celle, ouais. Dans un sac, il y a 4 tomates. Allez, vas-y, ça restaure. Oh putain, c'est Lydia, j'ai eu trop peur. Je vais m'installer correctement une fois de plus. Qu'est-ce que je cherche? Allez, c'est ça que je cherche maintenant. Bon, j'ai trouvé du coridon. On va miner un peu quand même. Voilà, voilà. Donc ça, des minerais comme ça, donc je sais pas si le coridon est important, mais on en a pas mal qui sont importants quand même. Le filon est épuisé, voilà. Donc, je crois que je vous ai fait des ellipses, je sais pas. Eh ben, vous voyez, moi aussi je sais faire du feu. Dites une novice, moi je suis un novice aussi. Alors, ça c'est bien. Oh, ça c'est très bien. Hop, on va faire un petit peu de soin. Ça, j'ai plus besoin que tu te mettes ça dans mon dos. C'est bon. Hop! Voilà, et je suis obligé de passer par là, c'est super chiant. Voilà, donc je vous reprends dès que j'ai évolué, j'ai fait quelque chose. À tout de suite. Bon, je fais les petits points de temps en temps, je suis en train de faire demi-tour. Puisque j'avais pas pensé au facteur clairvoyance. C'est encore par là, et je sais pas où il m'emmène avec sa clairvoyance. Parce que j'aurais eu envie de monter, moi, en fait, mais non. Parce que vous voyez, il faut aller là, et j'étais à côté, il m'a fait faire demi-tour. Donc, oh la vache, non, y a la con. Il y a quoi ici? Parce qu'autrement, je partirais bien de Fayez, c'est quasiment tout droit. Et vous savez quoi? On va faire ça. Hop! Alors, je vous fais voir un petit peu les, je vous fais voir les. Ok, pardon pour les mails, j'ai oublié de couper mon portable. Voilà.
Je vais couper mon portable, je vais me mettre complètement en silence. Voilà. Donc oui, je vais avoir beaucoup de montage à faire, le temps de récupérer tout ce que je veux. Et merde! Oh, t'es sérieux? C'est l'écurie que je voulais. Pourquoi je suis allé là? J'en sais rien. C'est une très bonne question. Ouais. Donc la carte, c'est pas... Ah! C'est ça que je veux. Donc ça, c'est super. Oui. Et voilà, je souhaite louer. Fayez. 20 pièces. Remontez et nous partirons. Ok. Si vous ne connaissez pas Fayez, ne manquez pas l'hydromellerie Ronce-Noire. Après quelques coups, vous oublierez ce long périple. Ah. Donc c'est le gros avantage au final de passer, de faire ça. On peut découvrir les capitales aisément. Les ronces de Fayez. Ah. Donc Fayez, ça fait penser un petit peu à d'Oblivion. Ça me fait penser un peu à Braville. Voilà. Et donc voilà. On reste sur les hauteurs. C'est ça que je voulais en fait. Donc là, bon, je vais vous faire carrément l'ellipse. Bon, j'ai juste découvert l'écurie, je vais pas entrer dans Fayez tout de suite. Hop, on reste sur les hauteurs. Et moi, je... Bonjour. Beaucoup refusent de nous adresser la parole et nous traitent de voleurs ou de contrebandiers. Ah ouais, t'as Je des suis ennuis. heureuse de voir que ce n'est pas votre cas. Ouais, t'as des ennuis avec les habitants de la région? Eh hey. Les Nordiques Je suis un nordique, hein. ils n'aiment pas les étrangers et nous n'avons pas le droit d'entrer dans leur vie. Ils ne voient en nous que des voleurs et des vendeurs de sous. Oh. Et depuis combien de temps, bord de Pas ciel? longtemps. Je suis venue ici quand je n'ai plus été la bienvenue Oh, en t'es sérieux? elsewhere et en Oh, sirotis. sérieux? Je semble être douée pour avoir des démêlés avec les autorités. Par pure accident. Rissad a su ne pas en faire cas. Et c'est lui qui m'a mise en contact avec une caravane. Je travaille pour lui maintenant. D'accord. Eh ben écoute, je te remercie, c'est sympa. T'as quoi à vendre? Bah, c'est ce que j'aimerais bien, oui. Akari. Chasse intime. Oh non, fuis, j'aime pas quand il fuit. Mais pour l'instant, je m'en fous. Les armes, on va faire dans l'ordre. Il fait quoi? 5 points de feu. Ah ouais. Non. Non, non, non. Épée en bois, super. Tenue. Oh ta mère. J'aimerais... B. Voilà. Donc là, l'anneau, il fait rien. Donc ça, on a vu rien. Capacité de port augmente de 30. Ah! Ah! Ah non. 2000. J'ai pas assez de sous. J'ai pas assez de sous. D'hiver, qu'as-tu? Charbon, chope, crochet. Ah, des gemmes. C'est vide. Mineur. Ouais, fais chier. Là. Poupée d'enfant? Tiens, donc, robe de fille verte. Pierre de lune raffinée, c'est cher, mais bon. Je verrai plus tard. Moi, ce qu'il m'aurait fallu, c'était un. Merde, les trucs qu'ils ont dans le nez, là, les éléphants, les mammouths. Jetez un œil. Les mammouths, comment ça s'appelle? Les défenses! Bon, je viens d'augmenter quelque chose, je ne sais pas quoi. La bataille du Mont Écarlate. J'ai eu un petit bouquin, donc si vous voulez lire le bouquin. Hop. La vache, tout ce qu'il y a à lire. Donc oui, ça m'a augmenté une compétence, mais alors quoi? J'en ai aucune idée. Hop. Vache! Je vous fais faire la lecture. Bon, ah oui, je ne prends pas. Je ne le prends pas.
Donc ça non, ça non. Salut Lily. Et toi, tu m'as dit si tu veux. J'ai rien sur moi. Ouais. Si vous cherchez du skooma, descendez l'escalier. On va regarder ce que c'est, parce que je ne cherche pas de skooma, mais bon, le skooma, je sais ce que c'est quand même. Il doit y avoir un trafic de skooma, je sais pas, c'est chelou. Quand tu veux, ma petite chatte. Oh. Attendez. Si vous descendez, gardez vos armes au fourreau. Sinon, on va apprendre à mieux se Trop connaître. bien, trop bien, trop bien. Allez-y et tenez-vous à carreau. Ah oui. Ah, c'est pour voler. Là, c'est toujours à voler. Descendez Putain, la vache! l'escalier. Vous m'ennuyez. Bienvenue. On ne s'est encore jamais vu, pas vrai? Achetez-moi ce que vous voulez, puis allez voir les autres marchands. Ah! Vous semblez tendu. Allez donc vous relaxer dans un recoin. Un petit échantillon, peut-être? Si c'est votre première fois, soit. Trouvez-vous un recoin. Quel est cet endroit? Une minute, vous êtes sérieux? C'est la tanière d'eau rouge, fournisseur du meilleur skooma hors de Balmora. Ok, merci. Vous voudrez. Bon. Personne n'est occupé. Hé! J'aurais été obligé de faire du fousse rodin. Elle est morte! C'est glauque cet endroit! Ah, oh, fais chier! Ah, oh, putain! C'est bon. C'est pas du vol, ça c'est cool. Mais Camille, Camille, c'est... Oh putain. Ah la vache, ils sont fragiles. Oui. Augmentation. Oui. Bon, y a rien. Un bouquin. Livre de sort télékinésie, tiens, c'est gratuit. Je prends, oui, je prends. Je vous l'ai dit. Vampirique, oh la vache. Sang immortel, cool. Non, non, non. Ah, c'est trop dur pour moi. Ok, bon, je reviendrai plus tard ici, mais là non, c'est pas possible, c'est trop dur. Je sais pas où je reviens en plus. Ça va, bon, j'ai débrouillé l'endroit. Bon, je ressors et puis salut. Et puis je reprends après l'ellipse. À tout de suite. J'ai trouvé une usine à Nirnroot, une ferme à Nirnroot. Voilà, ça va repousser. Bon, bah, je vous reprends dès que je trouve la vache. J'ai merdé. Mon doigt a coupé. Je disais, je vous reprends dès que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant.
Bon, nous voilà quasiment arrivés. Vous avez vu, je cours au passage. J'ai changé mes touches, ça me saoulait de marcher comme ça en fait. Je cherchais la touche et je l'ai enfin trouvée. Donc nous arrivons au village, à Forivar, voilà. Les Grisbards m'ont demandé à l'enfant du dragon de venir les voir au beau regard. Cela n'était pas arrivé depuis plusieurs siècles. Oui, c'est moi l'enfant de dragon. Don't worry. Ah oui, je suis crevé. Oh, encore du lien de route. D'accord. Oh, faut que je grimpe maintenant. Ah. Bon. D'accord, donc la route. Elle est à peu près là, d'accord. Bonjour. Vous avez l'air en plus piteux état. Tiens. Oh, merci. Puisse les divins vous bénir. Merci. Ça va? Oui, là, il est ici. Non de parole. Elle est partie récolter des plantes et elle n'est jamais rentrée, ça, non. D'accord. Elle s'est partout. Elle était introuvable. Willem a dit qu'elle rentrerait. Il a dit à Narfi de ne pas se faire de mourant, qu'elle finirait par rentrer. C'est quoi votre problème? Mon père, je lui ai dit au revoir. Ma mère, je lui ai dit au revoir. Reida est partie. Et Narfi ne peut pas lui dire au revoir. Narfi est très triste. Narfi a besoin de revoir Reida pour lui dire au revoir. D'accord. Bon. Si vous voyez Reida... Ouais, je t'inquiète, je pense à toi. Bon. Ah, une Siri. Alors, une Siri, c'est utile. Retour de l'enfant de dragon. Ah. Bonjour. On va encore devoir monter les 7000 marches. Vous vous rendez au haut Rodgar? Oui. Moi aussi. Je m'apprête à y aller pour faire une livraison. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le haut Rodgar? Je me suis rendu au monastère de nombreuses fois, mais je n'ai jamais vu de mes yeux les Grisbarbes. C'est pas plus mal ainsi. Comme ce sont des maîtres du Toum, ils peuvent vous tuer en prononçant un seul mot. Néanmoins, ils n'en feraient rien. On les dit pacifiques, mais je ne voudrais pas les provoquer. Et quel genre de livraison? Je livre surtout des provisions, comme du poisson séché ou des viandes salées. Vous savez, de la nourriture qui se conserve longtemps. Les Grisbarbes ne sortent pas beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et en échange? Eh bien, nous avons un petit arrangement. Vous comprenez, je me sentirais mal de leur faire payer cette nourriture. Le problème, c'est que je suis plutôt jeune et que les 7000 marches m'en font baver. Mmh. Ben, j'y vais si tu veux. Vraiment? Ce serait bien aimable de votre part. Tenez. Prenez ce sac de provisions. Au sommet des marches, vous verrez le coffre de collecte. Laissez le sac à l'intérieur et le tour est joué. D'accord. Faut que je fasse attention à quelque chose en particulier pendant l'escalade. On rencontre parfois une meute de loups ou une bête égarée, mais rien de plus. Ça devrait pas être un problème pour quelqu'un dans votre genre. Oui. Ah bah. Sinon, faites attention où vous posez les pieds. Durant l'hiver, les escaliers peuvent être traîtres. Ah oui. Ok, bah merci. Bon, toi. Bonjour camarade, que puis-je pour vous en cette belle journée? T'as l'air heureux. Mon père m'a enseigné une chose très importante il y a bien des années. Il m'a dit... Belle journée. Willin, le monde est à toi. Pars à sa découverte et vis pleinement, quel que soit ton rêve. D'accord. J'ai suivi son conseil et voilà où j'en suis. Cette vie vous semble peut-être insignifiante, mais je suis heureux et c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Ouais. Hey, au Rodgar. J'ai toujours trouvé étrange cette couche de nuages qui recouvre le sommet de la montagne. Au-dessus du monastère. J'ignore ce qu'il y a là-haut, mais je suis sûr que les Grisbarbes le savent. Oui. Ok, bon ben c'est cool, merci, c'est sympa. Non, on s'en fout de ce qu'ils disent. Ah oui, il y a ça aussi. Lire. Avant l'arrivée des premiers hommes, les dragons étaient les maîtres de Tumundus. La voix était leur verbe, mais ils ne parlaient que lorsqu'ils le devaient absolument, car la voix pouvait voiler le ciel et inonder les terres. C'est Lily. Ouais, il y a beaucoup de Lily, hein. Lydia, Liliana, il y a qui? Je sais plus, enfin, des Lily.
Il est où, fanère de Rania? Oh, que la mort nulle. Il est mort où? T'es sérieux, j'ai réussi à te perdre? Ah non. Que Drania. Donc, il y a plusieurs solutions pour voir ce que font les ingrédients. Soit faut les manger, soit faut les mettre en alchimie, etc. Enfin, les mettre à plusieurs... les combiner à d'autres ingrédients. Donc par exemple, on peut faire des potions de forgeron. Ça augmente les capacités de forgeron, enfin de forgeage, avec des gants de forgeage, etc. Donc c'est très sympa. Donc plus ça va, plus c'est puissant. Ah non, c'est gentil. Vous avez entendu les Risbarbes appeler le Dovahkiin? Oui, quand les moines font ça, c'est que les temps changent. Je me demande ce que ça signifie. Ben, il m'appelle. Et tu fais quoi là? J'aime passer du temps dans ces hauteurs. Monter les marches, méditer sur les emblèmes. Et si jamais je tombe sur du gibier en chemin, c'est encore mieux. Et est-ce qu'il vous arrive d'aller voir les Risbarbes? Ils ne sont pas du genre à recevoir des invités. Et je ne monte jamais aussi. D'accord, c'est super. Ceux qui vont jusque-là leur laissent de la nourriture ou d'autres objets de première nécessité. Mais ils n'y vont pas pour faire la conversation. D'accord. Merci. Puis vinrent les hommes, ah c'est l'emblème 2, hein, qui prolifèrent sur toute la surface du Mundus. Les dragons restaient les maîtres de ces peuplades rampantes. Les hommes étaient aussi, alors bien faibles et ils n'avaient pas le pouvoir de la voix. Bon, pour l'instant c'est cool la montagne, 7000 marches, vous avez compté? Ah, j'espère que vous comptez les marches quand même. Oh, boah. Bon, on est pas mal là. Niveau vie, on est vraiment très bien. Je suis assez content d'avoir augmenté ma magie comme ça. Un guerrier mage. D'habitude, je faisais un pur guerrier. Donc, c'est-à-dire, j'augmentais ma vigueur et pas du tout ma magie. Voilà. Cependant, la magie, c'est super pratique quand même. Mais guerrier, j'aime aussi. Hein. Hey, guerrier, j'aime aussi. Donc guerrier mage, je pense que c'est nickel. Oh putain, j'ai peur. Hop, hop, sauvegarde. Très important. Les endroits de recueil. Emblème numéro 3, normalement. Ouais, je vais pas prendre, c'est du recueillement. Ah, bon, d'accord. Je l'ai un peu poussé. Emblème 3. Tout jeune, l'esprit des hommes était fort en ces temps anciens. Ils n'avaient ni peur, ni des dragons, ni de leur voix. Mais les dragons ne faisaient que les conspuer, et ils leur brisèrent le cœur. Bon, j'en ai mis un peu partout, mais c'est pas grave. La vache. Ah voilà, c'est ça que j'aime pas dans le monde de Skyrim, dans le monde des Nordiques, c'est que c'est vraiment la neige partout. Y a pas une gravure là? Bon. Et la neige, c'est complètement déprimant. Vous voyez, dans le monde d'Oblivion, c'était joli, il y avait de la verdure, etc. Et là, mes genoux. Bon, on en est combien là dans les marches là? Parce que là, on redescend quand même. Ah, oh, pardon pour les emails. J'ai ma tablette. Ah, et l'emblème 4. Bonjour. Oh, tiens, t'es où? Et t'as pas froid comme ça? Ah, méfiez-vous des loups si vous montez au haut regard. D'accord. Bon, allez, vas-y, Dovahkiin. J'étais aux portes de Fort Ivar lorsque c'est arrivé. Comme c'est excitant. Nous n'avons rien vu de tel depuis des siècles. Bah oui. Et sinon, t'es qui? Je ne suis qu'une pèlerine. Je préfère m'en tenir à cela. Et tu souffles où? Je gravis les marches, je médite sur les emblèmes.
J'effectue ce pèlerinage presque chaque année. D'accord. Emblème 4. Kin fit appel à Paturnax, qui avait pris les hommes en pitié. Ensemble, ils apprirent aux hommes à utiliser la voix. Puis la guerre démoniaque fit rage. Dragon contre parleur. Bon. Je crois qu'il n'y en a que 5, hein. C'est ça ? Je sais plus. Ah, mais au fait, je peux sprinter. Tout à l'heure, je le fais pas. Parce que c'est long, les 7000 marches, hein. Alors, sauvegardage. Oh, il n'y a pas d'emblème. Ah, vous avez vu là-haut ? Allez ! Troll de glace. Lily. Oh, ah, ah, vache. Alors, on va se mettre du soin. La 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 la. Oh la vache! J'ai pris deux branlées, j'étais en train de me barrer, j'ai pas réussi. Ah la vache! Il est hyper puissant. Bon, heureusement que j'ai sauvegardé il y a pas longtemps. Eh ben, hein, du coup, on va déjà commencer par faire ça. Voilà, je sais où il est maintenant, hein. Mais... Ah, il est là. Enfoiré. Fils de troll. Bon. Ensuite, on va garder la flamme pour l'instant. On enlève ça. On prend l'épée, évidemment. Vous avez payé. Oh la vache. Je vais mettre le soin quand même. Ok. Bon, on reprend la torche. Hop, la torche. La flamme. Aide-moi, Lily! Putain, j'ai pas le soin, le toucher apaisant. Oh, oh mais t'es sérieux, il met juste une mandale, je mange. Waouh. Et j'aurais dû faire le fousrot. Le fous. Ah merde, c'est le soin. Ah 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 ah. Oh la mandale. Ah, barre-toi, barre-toi. Sauvegarde. Fuis. Lily, t'es où? Ah, t'es là. Oh putain. Oh la vache. Comment il est costaud. Vas-y, Lily, attaque-le.
mince. J'ai plus l'endurance. Waouh. Ah, il régène en plus l'enculé. Oh non! Allez, connard! Putain! Allez, et puis Lydia est morte alors. Hein. Ça m'embête vraiment que Lydia soit morte. Allez, Lily, debout! Magie. Ah, puis en plus, c'est vrai, j'ai mon niveau. En face. Guérison, est-ce que j'ai pas le toucher? Bon. Ah, faut pas que je tape lui. Ouh. Bon. On va augmenter la magie. Apprenti. Ok. J'ai un atout augmenté. Non. Pas ça. Là, j'ai arme à une main. Voilà. 20% de dégâts en plus. Ok. Sauvegarde. Bon. Qu'est-ce que je voulais? Non. Ah voilà. C'est sa robe de magie noire. Ah vache. Bon, je régène plus vite, ça c'est déjà ça. On va y arriver. Putain, l'enculé. Il est où? Oh la vache. Il est là. Oh, le combat épique, toi. Oui. Oh, la vache. C'est tout, il n'y a que ça. Putain, le combat, comment il était difficile. Bon. Je vais me rhabiller. Quand même. Tenue. Vous avez quoi? J'étais l'armure en peau. Le casque en peau de destruction. C'était ça. Changement quand même. Ah la vache. Sauvegarde. Emblème 5. Les hommes prirent le dessus, utilisant leur cri pour chasser Alduin hors du monde. Ils prouvèrent ainsi à tous que leur voix, elle aussi, était puissante. Pourtant, leurs sacrifices furent nombreux. Bon. Après ce combat horrible, je suis mort maintes et maintes fois. Heureusement que j'ai Lily avec moi quand même. Hein.
Ah, il y en a encore, cool. Ah oui, c'est vrai, il y en a plus que 6, que 5, oui. Hurlant leurs cris, les enfants du ciel prévalurent, fondant le premier empire par l'épée et la voix, pendant que les dragons se retirèrent de ce monde. Le septième. Les parleurs du Mont Écarlate s'en furent humiliés. Jürgen Parlevent commença ses 7 années de méditation pour comprendre comment une voix forte pouvait faiblir. C'est là, il est super. Bon, on va recharger un petit peu en... Merde, la volonté à droite. Le 9e. Emblème 9. Ah non, 8. Jürgen Parlevent fit le choix du silence et revint parmi les siens. Ses 17 adversaires ne purent le convaincre de leur cri. Jürgen, le calme, construisit son refuge sur la gorge du monde. 8. Un 9e, non? Je ne sais plus du tout. Oh, juste attends. Ah! Quelle heure il est? 14h41, ça fait, je crois que ça fait une heure que je suis sur cet épisode. Cependant, ah, le 9e et dernier. Restés silencieux pendant des années, les grises barbes prononcèrent un nom, Tiber Septim. Alors tout jeune fut appelé au Rodgar. Ah, c'est oui, ça se prononce au Rodgar. Hein. Ils le bénirent et le nommèrent Dovahkiin. Bon, alors il y a moult choses à faire ici. Mucho grande, à la 10e. Emblème 10, la voix est adoration. Suivez la voix intérieure, ne parlez qu'en cas de besoin absolu. C'est mort pour moi, je parle toute la journée. Alors, les offrandes. Divers. Ta mère. Divers. Provision de Climec. Je veux pas équiper, je veux... Ah, c'est R, s'il te plaît. Voilà. C'est pas volé. Un antidote. Ah, je vais prendre. Ok, je pas du vol, donc c'est bien. Hop, on va se mettre... Ouais. Le Dovahkiin. Hop, on va sauvegarder la 10e pour la semaine prochaine. Moi, je vais bloquer là pour le moment. J'espère que cet épisode n'aura pas été trop long ni trop court. J'ai dû faire je sais pas combien d'ellipses. Bref, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Et on va arriver chez les Grises Barbes. Et on va prendre notre rôle de Dovahkiin. On va être un Dova, je pense. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Ouss.